tous. Alors je suis ici avec Julien. Bonjour. Et avec Manu, bien sûr. Bonjour Patrick. Alors Julien, tu nous as fait un bassin paysager vraiment très très joli. Ben, merci. Bah non, mais c'est du fond du cœur, tu as bien équilibré tout, c'est vraiment sympa ce que tu as fait. Bah, j'ai essayé de faire comme je pouvais, et il y a des petites erreurs dans la construction, mais bon, on essaie d'y remédier petit à petit. Bon, écoute, de toute façon, c'est pas trop grave, parce que maintenant, tu vas changer de localisation. C'est un projet. C'est un projet. Ouais. Donc, tu auras l'occasion de refaire un bassin. Ben, j'espère bien. Et puis, tu feras plus les erreurs du passé. On fera plus les erreurs du passé. Maintenant, on a un professionnel qui est pas très loin de la maison. Avant, on n'avait pas. Donc, Ben voilà. Bon, ben écoute. Alors, qu'est-ce que tu as à dire de ce bassin ? Alors ben, le bassin, c'est Julien qui l'a fabriqué de A à Z. Alors comme on peut le voir sur un système de filtration gravitaire embanché, enfin en parpaing. Et on est sur du brosse, tapis japonais, tapis mountain tree et carotte mountain tree, les lotus. Et refoulement vers le bassin en airlift. Ça, la particularité de ce bassin, on est en airlift, il y a encore quand même malgré tout des pompes pour le skimmer. C'est ça, il y a une pompe pour le skimmer de 20 mètres cubes, enfin pour les deux skimmers, et après j'ai une autre pompe de 30 mètres cubes pour les UV. D'accord. Donc à part ça, tout fonctionne sur base de l'airlift. Ouais, voilà, comme on peut le voir, en plus le résultat est quand même très sympa. L'entretien est plutôt très réduit aussi, parce que ça ne nécessite pas de nettoyer à chaque instant la filtration et le pré-filtre, donc on a quand même quelque chose qui s'entretient très bien, quoi. Alors, ce que je vais vous montrer, bah, c'est ce qui est à côté de Manu. C'est un Gunera qui commence déjà à prendre de l'ampleur, là. Oui, c'est ça. Il a 2 ans. Ah, il a 2 ans. 2 ans, ouais. Ah, ouais. Bah, je l'ai acheté, il était... il faisait 40 cm, ouais. 30-40, ouais. Ah, bah, écoute, ça pousse bien, en tous les cas. Hein. Ah, ça pousse bien, oui. Ouais. On se trouve où, ça, ici? Alors, on est à côté de Niort, juste à côté de Niort. D'accord, on n'est plus en Vendée. Ah non, là, on est en Deux-Sèvres. En Deux-Sèvres, bon, bah écoutez... Hein. Je fais confiance à Manu pour la localisation. Oui. Hein, en tous les cas, félicitations, superbe bassin. Merci. Bon, et puis, voilà, bon, tu vas reprendre tes poissons. Oui, 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 les poissons, oui, je les garde avec moi. Ils te suivent. Ils me suivent. Tu comptes refaire un bassin paysager? Peut-être pas le même principe, je voudrais mettre plus les poissons à part des plantes. Enfin, plus mélanger comme j'ai fait là. Parce que c'est vrai qu'elles ont tendance à venir manger tous les nénuphars. Donc y a pas mal. Enfin, les plantes du coup elles ont du mal à vraiment profiter comme j'ai envie. Donc peut-être faire en deux bassins peut-être qui se communiquent, mais un bassin plante et puis un bassin koi. C'est ça. Alors bon, bah, il faut dire aussi que tu vas avoir de la place. Oui, j'aurai de la place, oui. Il y aura de la place. Il y aura environ 4000 mètres carrés. Donc il y aura de la place. Bon, 4000 mètres carrés, bon, c'est un petit terrain, mais bon, c'est un petit terrain sympa. Moi, pour vous donner une idée, j'ai 2000 mètres carrés. Bon, oui, d'accord. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 2000 mètres carrés à entretenir. Oui. Hein, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal, oui. Bon, après, il y a des outils pour. Hein. Oui. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Et puis, tu vas aménager ça petit à petit. C'est ça, on va faire petit à petit. Hein. Là, pour le moment, je pourrais pas construire l'autre bassin si je vends pas ici. Donc il y aura un bassin provisoire qui va être fait, qui est déjà plus ou moins créé, parce que c'est une ancienne ferme. Et il y a déjà des anciens silos couloirs en silage en fait. Ça fait 20 mètres de long sur 1,60 m de haut. Et c'est des grands murs, donc je pense que là je vais l'aménager provisoirement, avec une filtration provisoire, en attendant de pouvoir créer le bassin. Alors ce qui m'intéresse, et je crois que ça intéresse pas mal de gens, bah, tu vas faire plus les bêtises que tu as fait dans le passé. Voilà. Alors, c'est de savoir quelles bêtises tu as fait. Alors, j'ai déjà commencé l'une des plus grosses bêtises, comme je disais tout à l'heure à Manu, quand j'ai installé mes 3 bombes de fond, je n'ai pas mis de tuyau pression. Bon, c'est déjà... Bon, je ne suis pas embêté pour le moment, mais c'est quand même une des bêtises. Et après, j'avais mis beaucoup de pouzzolane. Il y avait environ 8 tonnes de pouzzolane qui étaient installées. T'en as déjà sorti quelques-uns? J'en ai déjà sorti 3 tonnes au printemps. Bon, c'est qu'il y a à faire. Oui, c'est pas facile, c'est chiant. Faut éviter de percer la bâche. C'est le plus chiant. Exactement. Donc tout à la main dans des seaux pour éviter de percer. Alors j'avais de la chance, j'avais mis une double bâche pour pas que la pouzzolane soit au contact. Donc déjà j'avais une petite chance de pas percer la bâche principale.
Donc on a nettoyé, puis petit à petit. Ok, alors on va dire, tu vas faire une zone de plantation séparée voilà. du bassin vraiment principal. Séparée, ouais. Qui sera peut-être en contact, mais bon, voilà. Ça sera en contact, je pense que ça sera en contact, ça va tout communiquer, mais les poissons, eux, pourront pas, pas y aller, quoi. Enfin, d'accord. Je sais pas trop encore comment, mais... Bah, c'est-à-dire que bon, tu peux faire un mur ajouré, donc tu décales les briques, tu vois, de telle manière que l'eau communique avec les plantes, mais que les poissons ne peuvent pas y aller. Oui, c'est ça, bon, on verra. Et puis après aussi, partie filtration qui sera, je pense, améliorée quand même, parce que bon, ça, mon système fonctionne très bien, mais tant qu'à faire, autant essayer de faire quelque chose de mieux, quoi. Tu gardes les airlifts ? Oui. Je changerai pas. Mon système, ce système-là, je l'adore. Ouais. Ouais, c'est vraiment bien, même pour un coût d'électricité, enfin tout. Enfin, moi j'aime bien. Ça emmène de l'oxygène dans le bassin. Moi, j'aime bien ce système-là. C'était le premier que j'ai fait et je regrette pas. Bon, c'est compliqué à faire. Non, j'ai suivi les vidéos. Ah, tiens, qui est-ce qui a fait des vidéos? Ben vous. Moi, je ne me rappelle plus. À mon avis, ça doit être Alzheimer qui frappe du même coup. Hein. Bon, ben tu es satisfait. Bon. Oui, je suis. Ça va, je suis content. Tu es content? Ouais. Bon, ça te fait un sacré débit. Oui. Ben j'en ai deux. J'ai une pompe, c'est une pompe à air Oise. Donc je sais plus, c'est 4000 litres d'air, je crois, un truc comme ça. Et c'est eux qui alimentent les deux airlifts en diamètre 125. D'accord. Voilà. Après, le débit exact, je ne l'ai pas vraiment. Mais... Non, bien sûr, parce que bon, c'est compliqué. Alors, il y a moyen de mesurer le débit exact d'un airlift, mais ça demande un appareillage relativement sophistiqué qui est extrêmement cher à acheter. Et bon, voilà, peut-être qu'un jour, bah, Manu, tu feras peut-être cet investissement, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ce n'est pas très important de le faire. Parce que bon, Coivrinden, nos amis néerlandophones, ont fait pas mal d'essais sur les airlifts. Ils ont donné tous les chiffres qu'ils ont obtenus, etc. Et puis on peut leur faire confiance. On est capable aujourd'hui d'arriver à mesurer approximativement selon le diamètre, la hauteur et le débit utilisé. Là, celui qu'on a fait et qu'on a testé par exemple avec Patrick, c'était hier ou ce midi, je ne sais plus. On est sur un diamètre 100, 1m40 de haut. On n'envoie que 35 litres minute pour une consommation de 18-19 watts et on a un débit entre 15 et 20 mètres cubeurs. Donc quand on voit une pompe à eau classique qui nécessite 200 watts pour faire le même débit, quand on a la possibilité d'être en full gravitaire avec un filtre, alors bien sûr le full gravitaire, on exclut totalement le filtre à grille par exemple, parce que c'est pas possible en filtre à grille. Mais dès lors qu'on est en full gravitaire et qu'on peut refouler avec des airlifts, on fait des économies qui sont absolument non négligeables. C'est du 10 fois moins consommateur d'énergie. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même regarder de très près, que nous on commence à étudier pour nos clients, qu'on commence à installer aussi tout doucement, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Ouais, donc moi je pense que d'ici peu il y aura une version plug and play chez toi. Oui, voilà, on va proposer quelque chose à nos clients avec une cuve directement en polypropylène soudé où les airlifts sont intégrés à l'intérieur avec la possibilité d'en avoir 1, 2, 3 et tout sera vraiment déjà prêt à l'emploi. Donc des entrées en 110, des sorties pour les airlifts et il n'y aura rien de plus simple à utiliser, quoi. Voilà. Alors bon, ici tu as fait une sortie avec un T simplement. Oui, j'ai fait juste avec une sortie qu'un T, oui. Bon, alors là, nous on avait conseillé de mettre deux T pour dégazer. Oui, ça pose pas trop de problème avec un T. T'as pas trop d'écume ? J'en ai pas trop. Moi le matin c'est exactement comme là en ce moment. J'ai pas plus d'écume que ça. Des fois ça m'arrive, ça me fait un petit champignon, mais je prends mon épuisette le matin en embauché puis je l'enlève directement. Mais j'ai pas plus que ça. Ouais. Après les plantes sont quand même là aussi pour épurer une bonne partie des protéines qui peuvent souvent de fois provoquer cette écume. Donc c'est vrai qu'on a un système de d'épuration naturelle qui est aussi efficace avec les plantes. Bon, ça va. Alors, il n'y a plus qu'à te retrousser les manches. Bon, tu n'en as pas pour l'instant, mais enfin... Oui, pour le moment, on a le temps encore un petit peu, le temps que ça se fasse, mais ouais, ça viendra. Bon, pouvoir passer chez toi? Ah ben bien sûr, avec plaisir. Ah ben écoute, j'y compte bien. Bon, normalement, ce ne sera peut-être pas pour celui-là, du coup, mais bon, c'est pour le prochain, quoi. Ben voilà, voilà. Et puis, tu feras un nouveau système d'airlift. Oui. Et puis, ce sera sympa à voir. C'est ça. Voir. On essaiera de faire pareil, peut-être un peu plus grand, parce que du coup... Là-bas, il y a déjà un système de... Il y a un puits, après avoir ce que donne l'eau, mais l'eau me coûtera moins cher qu'ici.
D'accord. Ouais, et là, en plus, j'ai l'assainissement. Okay. On est l'assainissement, donc là, les factures, c'est x2, quoi. Mmh. Donc les changements d'eau et tout. Ça commence à faire. Ça chiffre un peu, ouais. Oui. Alors, on essaye de faire comme il faut, mais... Bah oui, bah bon, mais écoute, tu sais, l'électricité, en Belgique, ça fait bobo à la tête. Hein, donc... j'imagine, oui. Déjà ici, quand on se les factures, madame... Ça pique un peu. Alors, bon, bah écoute, l'airlift, c'est une solution pour diminuer sa facture d'électricité. Exactement. Et puis, bah, également, les voiles d'ombrage. On a vu également des bassins avec pergola qui permettent de faire diminuer la quantité d'UV utilisée dans les bassins. Et c'est à nouveau une consommation d'énergie réduite. Absolument. Il y a plein de petits systèmes qu'on peut mettre en œuvre assez facilement pour résoudre le problème. Peut-être pas le résoudre à 100%, mais bon, quand même diminuer sensiblement le nombre d'électricité. On estime que le bassin de demain, celui qu'on étudie en tout cas pour nos clients et être économe en énergie, pour 25 mètres cubes de bassin, on estime aujourd'hui qu'on va pouvoir consommer à peu près 75 à 80 watts maximum dans un bassin comme celui-ci. Là où aujourd'hui, avec une pompe classique, un UV classique sans couverture au-dessus du bassin, là où on va consommer au minimum 300 à 400 watts. Donc on peut faire des 5 à 6 fois en économie d'énergie. Donc si l'énergie augmente de 5 à 6 fois comme c'est le cas en Belgique, eh bien on sera très content d'avoir ces systèmes-là. Mais bon, attention, vous avez l'électricité moins chère d'Europe, la moins chère d'Europe. Mais vous avez Engie. Tandis que nous, c'est pas pareil. Nous, on a l'électricité la plus chère d'Europe. Parce que vous avez Engie. Parce qu'on a Engie. Il faut chercher l'erreur, hein, mais bon, soit. Là-dessus, eh bien, écoute, je te félicite en tous les cas pour ta réalisation ici. Ben, merci. Merci. Et aussi. Puis, ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ton petit univers. Ben, moi aussi, si un jour on m'aurait dit que j'aurais fait votre connaissance en vrai... Ah ben voilà, ben c'est fait. Hein, voilà. Ben, et puis bientôt, tu passeras à la télé. Oui, oh, peut-être pas quand même, je sais pas. Ah ben écoute, ben, bon, il y a quand même pas mal de gens qui vont regarder la vidéo, rassure-toi. Oui, ben oui, je pense, oui. Et puis j'espère que tu la regarderas aussi. Ah bah oui, quand même. Ouais, quand même, quand même. Eh bien voilà, eh bien, je te félicite encore et puis je te dis à très bientôt. Merci. Bon, nous Manu, on continue. Oui, on continue, encore et encore. Encore et encore. Bon, il est en train de me bouffer toutes mes cartes, mais enfin, c'est pas grave. Il n'y a pas assez de recharge. On fera avec. Allez, il me reste à vous dire à très bientôt. Restez attentifs et surtout, ne soyez pas sages. Allez, ciao. Salut. Au revoir.